Soignards, eux, leur restaurant, ça fait un moment que les gens disaient qu'ils étaient racistes. Il y avait des... Recalé d'un célèbre établissement parisien, Mélanie Dacruz affiche le restaurant et l'accuse de racisme. Dans une story Snapchat, l'ex-candidate de Secret Story a partagé la mauvaise expérience qu'elle et son amie ont vécue alors qu'elle voulait prendre un verre dans un restaurant chic de la capitale. La jeune femme explique tout d'abord qu'à leur arrivée, une hôtesse condescendante les aurait accueillis et aurait refusé de les faire entrer dans l'établissement sous prétexte que toutes les tables en terrasse étaient complètes alors que la plupart d'entre elles ne semblaient pas l'être. L'ex d'Anthony Martial lui a alors expliqué qu'elle ne voulait pas forcément une place en terrasse et cette dernière lui a donc proposé une table au premier étage. Le premier étage, je vous explique, c'est une salle où personne ne peut te voir, juste à côté des toilettes. C'est pour ça que je vous dis raciste, parce qu'en fait elle veut pas de nous en terrasse, mais par contre pour nous foutre là-haut au premier étage, là où personne ne nous voit, pour le coup là elle avait de la place. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont mitigés. Si certains affirment que l'établissement en question a déjà été pointé du doigt à plusieurs reprises pour des histoires de discrimination, d'autres expliquent ne pas voir le racisme dans son histoire et ont le sentiment que la jeune femme n'aurait tout simplement pas supporté d'avoir été recalée du restaurant. Et toi, t'en penses quoi ?